Oh, de ce côté, il y en a deux. Ouais, deux là. Ouais. De ce côté, t'arrives. Non. Sur le protocole, quand on arrive sur un point, on écoute d'abord le chant spontané des oiseaux. Et ensuite, on lance des appels qui sont préenregistrés. Voilà, donc on va faire deux équipes. Un jeune mâle sûrement, on verra tout à l'heure. On va le mettre dans le pochon et on va voir s'il n'y en a pas d'autres qui s'approchent. Ah, ah, c'est beau, quelque ça. Chose de beaucoup plus sombre. Ouais. Plus de 2A. 109. Vingt-sept pour le tarse. Seize trente et un pour le cloaque. Trois soixante-sept pour la graisse. Quatre-vingt-douze. Ouais, en tout, ouais. Bon, mais c'est pas bon pour un premier point. Bah ouais, c'est vrai que là. Ouais, super. On en fait 3 à chaque point. Ça va coûter cher en aluminium. On va garder les radiateurs. On va les faire du mal avec les mecs.
On s'est basé sur les suivis qu'il y avait historiquement, donc dans les années 90, et ensuite sur la connaissance des chasseurs locaux, quoi, sur les zones où il y avait pas mal d'oiseaux. Ça nous permettait, pas complètement de comparer, mais d'avoir quand même des points de référence sur lesquels on savait qu'à l'époque il y avait des populations qui venaient en période de migration. Hein. On ne peut pas comparer les densités, hein, parce qu'il y a sûrement quand même. Les milieux favorables se sont réduits, donc il y a moins d'oiseaux sûrement sur l'ensemble de la Cerdagne. Ça dépend surtout des parcelles qui sont cultivées, et notamment des parcelles qui sont en céréales, en blé, etc. Ce sont quand même les parcelles qu'elles affectionnent. Après, effectivement, on les trouve aussi dans toutes les prairies naturelles tant qu'elles ne sont pas fauchées. J'espère que tu donnes.